Allez, Gwent à celui-ci, le Charmstones. Donc on part à 10,22 €. C'est un peu loin à monter. 1, 20, voyons voir, 30. Alors on va commencer avec ça. Là, il y a les trois cases, c'est le même système que la machine à sous, je sais plus comment elle s'appelle, Joker Rich. Ouais, c'est un petit peu lent. Voyons voir. Sous comme les autres qui des fois payent, des fois filent que dalle. On verra bien sur cette partie. Allez, on va tester après les perdants, les gagnants, enfin en théorie. Balles. Un petit bonus. Non, pas ici non plus. Un petit bonus sur la gauche avec les trois cases ici serait pas mal. On va voir quand il va sortir. Son deck pas trop mal au niveau spin perdant. Là il a son potentiel. Le jeu il paye que dalle, autant il bouffe tout, autant il file un gros win, c'est pas trop à quoi s'en tenir. Bon, un petit bonus sur les cases à gauche serait quand même pas de refus. Alors super wild, voilà, en partant, hop, il en manquait un. Allez, c'est parti, un seul. D'ici, ouais, pas terrible. Le score il est pas au top. On a basculé sur le chiffre 6. Là, niveau win, c'est assez impressionnant. Du que dalle.
dans le prochain bonus, mais bon, combien le jeu a bouffé entre temps. On peut dégommer le solde. Enfin, un peu beaucoup même. Pour un petit moment. Il paye que dalle, que des wins cacao de temps en temps, mais pas de win intéressant. Alors, moins 4000, c'est pas mal. Hallucinant, les spins perdants, c'est alors, ça nous rebalance un bonus joker, mais il a pas l'air décidé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, 3 wild, bah, il était temps, parlant du loup. Ah, 5 off the kind, bah, tant mieux, parce que là, ouais, vous avez compris. Donc ça va se faire défoncer bien comme il faut. Alors combien je suis curieux? 684. Allez, c'est parti, on a les 3 wilds. Mieux. Parce que ça va être pas trop mal. À 6007, mais c'est pas énorme, c'est pas faramineux. Voilà, donc le jeu il a redistribué un petit peu de ce qu'il a bouffé. Nice. Ah bah je crois bien que là ça va être compliqué pour se taper une remontée. C'est clair que ça continue comme ça, c'est mal barré. Bon, sinon à part ça, il y a les symboles bonus qui doivent sortir une fois toutes les je ne sais combien de milliers de parties. Bonus. Eh ben sans déconner, le bonus à 40 balles il est là. Bon, j'espère qu'il va pas payer que dalle parce que des fois ça paye des cacahuètes. Allez, c'est parti. Le château de la reine, 10 free games. Il faudrait tous les wilds. Alors, voyons voir ce que ça rack. On va reculer d'ail symbole ici, mais bon. 700.
On verra bien ce que ça donne. Après, ça arrête partie direct. Donc, bon, c'est pas que c'est le jeu qui paye que dalle. C'est un jeu comme les autres. Des fois, il paye. Des fois, il paye que dalle. En tout cas, là, il n'aura pas payé grand chose. Alors, la reine. 900 balles. Qu'est-ce qu'il va nous filer pour la dernière? 254. On remonte à 7003. Bon, spin malchance et terminus. Allez, spin malchance. Pas terrible, avantage casino, mais puissance 10.